Voilà. Donc là, j'ai positionné donc la bouteille tête en bas en situation, comme si elle était plantée dans le sol. Sauf que donc il y a quand même une étanchéité au niveau de la bouteille et du bouchon. Et j'ai donc effectué une légère perforation dans le bouchon. Donc il y a juste un tout petit trou. Et donc ça simule le positionnement de la mèche. Donc on peut aussi augmenter le débit à travers le bouchon en multipliant les orifices ou en élargissant l'orifice. Alors là, j'ai positionné donc mon dispositif avec la valve qui est ici, et j'ai obturé l'entrée d'air, ce qui fait que la bouteille qui est remplie d'eau a stoppé son écoulement, puisque comme il n'y a plus d'entrée d'air possible et que la colonne d'eau empêche la pression atmosphérique de rentrer, eh bien donc pour le moment le système de goutte à goutte est bloqué. Alors, donc j'ai positionné un bouchon ici, au niveau de l'entrée d'air. Donc je vais maintenant enlever le bouchon, ce qui va réamorcer le système. Et automatiquement, on va devoir voir des gouttes qui vont tomber là. Et comme j'ai rempli la bouteille d'eau en dépassant le niveau bas du joint d'entrée dans la bouteille, on va devoir voir des bulles qui vont aussi régulièrement pénétrer dans le haut de la bouteille en compensation des gouttes qui s'écoulent par le bas. Donc on va le visualiser. Donc là, je débranche le bouchon. Voilà, il y a des gouttes, il y a des bulles, pardon, qui apparaissent en haut. Là, on voit bien qu'il y a des bulles, le débit diminue et en bas on a bien un goutte à goutte qui se met en place. Donc là on a à peu près une goutte toutes les 3-4 secondes. Voilà, on voit bien les gouttes qui tombent. Et le joint est toujours en contact avec l'eau, donc on peut encore toujours observer les bulles qui progressivement pénètrent dans la bouteille. Donc là, on est en situation comme si la bouteille était, comment dire, plantée en terre, avec un goutte à goutte régulier qui permet d'alimenter la plante. Voilà, on a encore des bulles qui rentrent au cul de la bouteille. Donc là, on va laisser le goutte à goutte s'installer. Je vais filmer les bulles. Et là, maintenant, je filme la partie où le joint pénètre dans l'eau, parce qu'il y a encore suffisamment d'eau pour observer les bulles qui pénètrent dans la bouteille. Voilà, là on a vu des bulles. Donc dès que la dépression commence à atteindre un certain seuil, a priori donc la bille permet de laisser rentrer de l'air. La bille sous compression permet de laisser rentrer de l'air. Donc là le goutte à goutte est toujours à peu près à une goutte toutes les 3 secondes. Et on voit bien les bulles qui peuvent pénétrer dans la bouteille. Alors maintenant, on va faire autre chose. On va simuler donc une augmentation de la température et donc une augmentation de la pression au sein de la bouteille, en partie haute de la bouteille, au niveau où s'échappe
la tubulure, donc j'ai rajouté un ressort. Voilà, donc là j'ai rajouté tout simplement à ce niveau là un petit ressort qui permet de conserver la partie basse, la partie inférieure de la tubulure relativement verticale, de telle sorte que il n'y ait pas trop de condensation qui pénètre dans le tube. Donc ce qui veut dire que la condensation qui va se former ici aura plutôt tendance à reculer, à retourner dans la bouteille. Et puis c'est aussi pour éviter éventuellement qu'un coude se forme à la longue au niveau de la tubulure. Donc ça c'est un système de renforcement. Et puis là je vais mettre en œuvre une expérience pour vérifier si le goutte à goutte augmente de façon flagrante lorsque la chaleur augmente dans la chambre aérienne de la bouteille. Donc là j'ai regardé, on a un goutte à goutte avec ce dispositif qui consiste tout simplement en un bouchon perforé, donc avec une petite aiguille. Alors là, si on compte les gouttes qui s'échappent de la bouteille, regardez, j'ai compté qu'il y avait à peu près une goutte toutes les 8 à 10 secondes. Ici voilà, la goutte est tombée. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, 27 secondes. 27 secondes pour obtenir un goutte à goutte. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux la partie aérienne, donc sans chauffer le plastique bien sûr, hein, pour pas que le plastique se dilate, mais je vais imprégner la partie haute de la bouteille d'une atmosphère un peu plus chaude. Donc on va voir si ça peut avoir un impact sur le goutte à goutte. Là c'est une chaleur douce, et après j'ai la deuxième vitesse forcément sur le sèche-cheveux où on a une chaleur un peu plus conséquente. Donc là, je vais chauffer à peu près à 10 cm le cul de la bouteille tout en ne restant pas toujours immobile au même endroit, hein, pour répartir la chaleur sur l'ensemble de la circonférence de la bouteille. Voilà, donc là je pense qu'on voit déjà le résultat. Donc le cul de la bouteille est à peine chaud, hein, donc c'est pas très chaud. Mais qu'est-ce qu'on constate? Donc là on voit que le débit a nettement augmenté. Donc voilà, on va attendre la première goutte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 7. Voilà, on est à 7 secondes maintenant de débit de goutte à goutte. Donc automatiquement, on voit bien que lorsque la chaleur augmente dans la chambre aérienne, eh bien automatiquement, on a un débit qui augmente. Hein. Donc, et je suis persuadé là que le débit va progressivement diminuer avec le refroidissement de la chambre. Donc pour refroidir la chambre, j'ai un autre ventilateur qui fait de l'air frais. Donc on va faire l'essai à plusieurs reprises pour vérifier l'hypothèse. Alors on était à 7 secondes par rapport aux 25 ou 29 secondes de la dernière fois. Là maintenant, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là on est déjà à 8 secondes. Donc on va encore attendre un petit peu et je suis persuadé que on va encore augmenter le délai du fait que la chambre recommence à se refroidir. Donc on voit bien que le débit est bien variable
Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de donc d'augmenter la quantité d'eau distribuée aux plantes quand il fait chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, là on est à 9 secondes, donc effectivement, le débit commence à rediminuer. Donc je vais refroidir plus rapidement la bouteille. Donc là c'est de l'air frais. Donc l'air frais va de nouveau contracter l'atmosphère qui est dans la chambre supérieure de la bouteille, la chambre aérienne. Et donc automatiquement on devrait avoir à nouveau un allongement du débit du goutte à goutte, puisque la pression s'exercera beaucoup moins sur la colonne d'eau. Voilà, on va faire un comptage. Est-ce qu'il y a une modification encore du débit? Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 secondes. Donc effectivement, le délai s'est nettement progressivement rallongé. Donc maintenant, je vais à nouveau rechauffer l'atmosphère avec le sèche-cheveux. Voilà, donc revérifions. Alors là, j'ai vu tomber une goutte. On va attendre la suivante. Presque 10 secondes. On va encore rechauffer un petit peu la chambre pour voir si on peut encore accélérer le débit. Donc là, c'est juste pour simuler l'augmentation de la température ambiante. Alors, on va voir. Voilà, presque 8. Donc on a bien effectivement une accélération du débit. Et maintenant, lorsque je vais refroidir à nouveau la bouteille, voilà, donc là j'ai refroidi à nouveau la partie supérieure de la bouteille avec le ventilateur. Dès qu'on voit une goutte, on va commencer à compter l'intervalle de temps qu'il faut entre deux gouttes. On était à 7-8 secondes, en sachant que tout au début, on était à pratiquement 25-29 secondes. Hein. Là, je vois apparaître une goutte. Bon, c'est évident qu'on est... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà, 18 secondes. Donc là, c'est évident que le débit s'est à nouveau ralenti. Voilà, alors maintenant je voulais juste compléter l'expérimentation en rajoutant tout simplement un deuxième récipient d'eau à la valve d'admission, donc qui est située donc en haut de la bouteille, pour vérifier lorsque la température monte progressivement dans la chambre, qu'il n'y ait pas de fuite de bulles d'air. Donc ça permet de, si vous voulez, d'ajuster
la pression sur le ressort, hein, la pression sur le ressort qui va lui faire office de poussoir sur la bille. Donc voilà, donc ici j'ai juste rajouté un petit gobelet de l'eau en hauteur. Voilà, donc là la chambre de la bouteille est refroidie. Et là je vais donc monter graduellement la température, la pression. Donc là je n'ai pas vu de bulle remontée par la seringue. Le débit au bas de la bouteille, il est à alors une goutte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est 8 secondes, et donc on a bien une remontée en pression dans la partie supérieure de la bouteille, et on a bien une bonne étanchéité qui permet justement d'obtenir cette surpression. L'expérience est pour moi concluante, hein. Voilà, et là l'appareil il a l'air d'être assez efficace.